Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Nouveau déballage, nouveau test en direct. On connaît le DJI, le dernier, le tout petit drone qui se pilote avec les gestes. Est-ce que c'est possible de faire la même chose sur un tout petit jouet à moindre frais, évidemment? Du coup je me suis empressé de commander ce petit drone à l'arrache sur Amazon. Je veux absolument voir ce qu'il donne. Il a l'air très léger, hein, vu comme ça. Je voulais le déballer avec vous et qu'on puisse tester ça ensemble. C'est la version minimaliste. C'est vraiment la version minimaliste, hein. Ok, en fait le gant va venir vraiment se placer pour que ce soit notre main qui pilote ce truc. On a donc là la notice, le drone, le câble pour venir recharger la petite batterie du gant, les petites pales de rechange ici pour le drone, avec la petite protection comme on l'a vu là qui est sur le drone, ça évitera de casser les pales trop facilement. Alors, ça c'est avant, ça c'est arrière. Ça c'est gauche, ça c'est droite, changer d'altitude, c'est quoi? Appuyez sur le bouton situé sur le côté avec votre pouce, maintenez appuyé et inclinez votre main vers le haut jusqu'à atteindre l'altitude souhaitée. Les LED s'allumeront en orange. Maintenant, appuyez et inclinez vers le bas. Ok, je crains vraiment le pire. Déjà, on va juste essayer de le faire décoller et réatterrir. Bon, tu peux pas, il n'y a pas de trim pour ceux et celles qui connaissent, donc tu peux pas lui dire qu'il va un peu trop en avant pour qu'il aille en arrière, etc. C'est vraiment un jouet, tu vois, donc... Appuie à son connecteur sur le gant, enfiler le gant de contrôle, ok. Donc, allumer le gant de contrôle en utilisant l'interrupteur. Les lumières vont s'allumer en blanc au démarrage. Wow, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Attends, non, pendant une seconde, j'ai vraiment eu l'impression de gérer le drone avec la main. C'est vraiment trop stylé. J'ai une pression, vous imaginez même pas. C'est génial. C'est énorme. Vous voyez ce que j'ai en train de faire ou pas? C'est délirant! Ça coûte quoi? 50 ou 60 euros? C'est délirant! C'est délirant! Genre, c'est vraiment un produit, c'est délirant! Yeah! Oh, c'est énorme! C'est énorme! Je surjoue pas du tout, hein? Donc, si t'es déjà là en commentant, ouais, il surjoue de ouf! Et vraiment, quand tu contrôles la droite et la gauche, il y a très peu de latence au final. C'est ça qui est assez bluffant avec un truc aussi débile, je sais même pas comprendre. Ça tient pas énormément en autonomie, faut pas déconner non plus, ça doit tenir à mon avis 4-5 minutes en utilisation, suivant combien de fois tu le fais redécoller et revoler. Mais ça marche bien et on s'amuse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir découvert ce petit produit avec moi en mode kiff, en mode vraiment test. Voilà, si vous voulez d'autres petits drones pour vous amuser, je vous conseille aussi la marque Yupsan, voilà, qui fait des petits drones un peu plus directifs, on va dire, avec une vraie télécommande entre les mains. Merci à toutes et à tous, à très vite, ciao tout le monde.